De Lindy Hop vient de Charles Lindbergh, l'aviateur Charles Lindbergh, qui a traversé l'Atlantique en 1927, au mois de mai, en une fois, sans escale, en solitaire. Et le lendemain de la traversée de Lindbergh, les journaux ont titré « Lindy Hops the Atlantic ». Lindy, le surnom diminutif de Lindbergh. Le terme de Lindy Hop a été attribué à la danse par le danseur Shorty George Snowden. Il participait à un marathon de danse. Et un journaliste lui aurait posé la question, étonné, émerveillé par ce qu'il voyait, « Mais qu'est-ce que c'est que cette danse ?» Et Shorty George lui aurait dit, « C'est le Lindy Hop, je vole comme Lindbergh. » Le swing, c'est finalement une pulsation rythmique propre au jazz. Et qui lui fait prendre tout son sens, c'est-à-dire c'est quelque chose qu'on ne peut pas noter sur une partition. Et qui n'entre en jeu que quand le musicien entre en action, joue. Don't be shy, get the spot. Les danseurs de l'époque avaient besoin de ce swing des musiciens, mais les danseurs eux-mêmes swingaient ou ne swingaient pas, les bons swings. Alors justement, ce qui caractérise le swing, c'est aussi la notion de tension et de détente, mais simultanée. Et ça, c'est très difficile à la fois d'être tendu et d'être détendu. Il y a eu la guerre de 14 qui a quand même été extrêmement violente et donc les années folles qui ont suivi la guerre de 14 et on est encore après la dépression de 29, les gens ont besoin de s'amuser. Il y a eu la prohibition qui a en même temps amené les gangsters et qui fait qu'il y a eu des clubs privés où là tout d'un coup aussi les gens se sont mis beaucoup à danser. Les femmes se sont libérées dès les années 20 avec le Charleston. Et le Savoy Ballroom, c'est le dancing le plus important à Harlem pour le Lindy Hop. Ce qui est très important aussi, c'est que le Savoy n'est pas ségrégué. C'est que les Noirs et les Blancs peuvent rentrer au Savoy, danser ensemble. Grandes vedettes de cinéma viennent voir danser les Noirs au Savoy. Et des fois dansent aussi, comme des vedettes comme Marlene Dietrich, Orson Welles, Clark Gable. Je m'appelle Norma Miller. Et moi, Frankie Manning. Quand j'avais 14 ans, j'habitais avec ma famille en face du Savoy Ballroom. Lorsque j'ai eu l'âge de pouvoir y danser, ce fut magique, impossible de résister au swing. La première fois que je suis rentré au Savoy, c'était comme dans un monde extraordinaire. Tout se passait au premier étage, dans une immense salle, avec deux orchestres sur deux scènes différentes, qui swingaient l'un après l'autre, une musique incroyable. Il y avait un monde fou et ils dansaient tous le Lindy Hop. Le mardi, c'était réservé aux femmes. Tuesdays, Ladies Night. Le jeudi, c'était la Kitchen Mechanics Night, pour les gens de maison. Tous étaient très bien habillés. C'était notre dignité. Le plancher rebondissait. Il se passait quelque chose que je n'ai jamais vu ailleurs. Dans l'aile nord du ballroom, il y avait le Cat's Corner avec les danseurs les plus expérimentés. Tous les regards étaient dirigés vers eux. Moi, j'observais leurs passes, leur style, tout. Et puis je filais vers l'aile sud pour appliquer ce que j'avais vu avec des danseuses. J'ai 95 ans et je n'ai jamais arrêté de danser. Et bien sûr, le Lindy Hop est devenu tellement populaire, tellement à la mode qu'il y a eu des articles dans les journaux comme Life. Et le cinéma s'est intéressé. Les Whitey Lindy Hoppers que l'on voit dans le film Elsa Poppin qui date de 1941, un long métrage, ont tourné la même année un Sandy, c'est-à-dire un court métrage sur la musique de Duke Ellington, du grand orchestre de Duke Ellington sur Cottontail, où ils reprennent à peu près la même chorégraphie que l'on voit dans Elsa Poppin. Là, vous avez remarqué, c'est sur tempo rapide. Mais les danseurs dansaient sur ces tempos-là, ils adoraient, et ils s'amusaient justement à savoir jusqu'où ils pouvaient aller. C'était aussi une danse très dynamique, donc... le swing, on peut danser très lentement et aussi très vite.
Et aussi, si on fait des spectacles, on peut faire des air steps aussi. Et j'aime bien aussi qu'il y a beaucoup d'improvisation dans la danse. Donc, c'est vraiment libre. On a le droit de se tromper, quoi, dans la danse. C'est là l'avantage de danser à deux, c'est qu'il y en a un qui se plante et l'autre qui reste en rythme, etc. C'est rigolo, donc on continue à danser. C'est une danse de société, c'est-à-dire que par rapport à une danse de salon, c'est une danse où les gens se mélangent, s'invitent les uns les autres et apprennent les uns des autres, s'observent, vont reprendre les pas les uns les autres.